Alors donc le programme du jour, c'est de quitter le port de Nice dans lequel on est arrivé il y a deux jours pour faire un parcours qui va nous emmener jusqu'à l'aéroport de Nice et puis aller virer une bouée en face Monaco en voisin. On a quelques invités à bord, donc ça leur fait plaisir. Oui, c'est un bateau énorme. Hein. J'ai vu quelques fois avant, mais c'est la première fois que je rentre comme cette bateau. Hein. J'ai profité d'une très très bonne journée aujourd'hui. Comment allez-vous? Merci. Très bien, et vous? Ça va? Ouais. C'est toujours un plaisir de naviguer, quel que soit le bateau, mais là, c'est vraiment des belles bêtes. Pas oublier que la Méditerranée aussi peut présenter des belles courses et des belles épreuves avec suffisamment de vent. C'est ce qu'on va voir pour cette belle course autour de la Méditerranée, au départ de Nice. Et puis peut-être qu'il y aura un petit passage par Monaco. J'imagine que ça peut être vu à partir de la promenade des Anglais et que les bateaux peuvent être appréciés aussi. C'est pas souvent que ces grands bulldogs viennent en Méditerranée, donc j'espère que les gens auront plaisir à les voir depuis la côte. Pour le vent, c'est toujours un peu compliqué, on le sait. On sait qu'il y aura du petit temps dans la course à un moment donné. Là, on profite justement de ça pour se régler par rapport aux autres bateaux, pour essayer de travailler nos manœuvres et voilà. Alors, c'est top. Et voilà, Karine, elle a super bien joué. Vraiment super. Et à Nice, ici, le stade nautique, là, juste devant cette ligne de départ au pied de la corniche, là, moi je trouve ça génial. J'adore. Enfin, le côté partage, de montrer nos bateaux, d'avoir des gens qui viennent nous voir et qui voient les bateaux régatés. En vrai, moi, je trouve ça extraordinaire. Moi, ça me plaît énormément.